nights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around, up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around, up and down on that stage. It's your future vibes.
Avec obligation pour ceux qui vont faire le VTT, ils doivent toujours être à deux. Si par exemple ils arrivent à une table, il y en a un qui est là, le dernier voir un peu le dossard numéro 1, à gauche, numéro 1, le dossard 1, le deuxième avec le dossard 1 et alors, ça marchera pas. Ils sont obligés même si ils ne sont pas dans la situation de copain, ça marchera pas, ils sont obligés d'être en copain, il faut pas mal de gros débats pour en copain. Ça c'est une règle impérative, vous allez partir à deux. Oh,
J'espère que vous attendez ça, j'espère que vous êtes
Pour qu'il aille le plus vite, s'approcher de vous. Là, pour l'instant, vous reculez, les capitaines. Vous reculez, je vais descendre contrôler les enveloppes. Vous restez là, vous touchez à rien. On s'occupe de tout, comme depuis le début. On s'occupe de tout, on s'occupe de vous. On va arriver, on va contrôler vos enveloppes. Et le top signal, vous pourrez prendre vos enveloppes, la dernière enveloppe. Je vous rappelle donc que c'est la première équipe qui viendra me ramener dans la main. Sans papier rempli avec le mot, la chose est trouvée dans l'hymne. Qui aura gagné le 53, qui sera peut-être le terminant. C'était pour s'amuser, pour participer. J'espère que nous, on a atteint notre but. Pour nous, on a atteint notre but. S'il y a eu certaines déviances, c'est pas dû à notre faute. C'est votre faute. Si des gens ont ouvert les enveloppes, c'est certainement pas nous qui les avons ouvert pour eux. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc l'équipe première, l'équipe numéro 12, avec 285 points, je vais leur demander de monter sur le podium pour nous rejoindre. Bon, simplement, ce que je voulais rajouter pour terminer, c'est vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, Australie. C'était une organisation du centre social de Condé, avec le concours de la municipalité de Condé sur Esco, bien sûr. Le DSQ de Condé sur Esco et la région Nord-Pas-de-Calais. Et pour ça, pour ce rallye, je vous ai dit, il y a eu beaucoup de monde qui ont participé. J'ai peut-être en oublié, j'en demanderai de m'excuser. Mais entre autres, ont participé à ce rallye, la base de loisirs Condé sur Esco, pour le site. Les tarrets de la Tour, le club nautique pour toutes les épreuves nautiques, l'office municipal des sports qui nous donnait à disposition toute l'infrastructure et le personnel, l'athlétique club qu'on est sur Esco pour les épreuves de course à pied notamment, l'association Jeunesse sans frontières pour tous les jeunes qui ont participé à ce rallye, je les remercie beaucoup et on a continué parce qu'après c'est nous qui allons nettoyer, c'est nous qui allons les monter et c'est eux aussi qui vont m'aider à faire tout ça.
l'association Cap Loisirs, l'association de la DLJ, c'est l'association de défense de locataires du jeune, vous voyez, il y en a un peu plus, des associations de défense de locataires, des jeunes, des structures municipales, il y en a un peu plus tout partout. Il y avait également l'équipe du Centre Aéré, elle aussi, je leur remercie beaucoup. Elles sont venues pendant deux jours pour vous ravitailler, pour vous donner à boire, à manger, etc. pendant tout le rallye. Je tiens à signaler. C'est un futur magasin qui va ouvrir à Condé-sur-Escaut. Je sais pas si vous êtes tous au Condé, mais c'est tout près de Condé, pas cher à Condé. C'est un magasin en gros, c'est eux qui nous ont équipés en t-shirts, les beaux t-shirts, les polos, etc. Ça vient de chez Mégastore à Condé, donc si vous avez des achats, n'hésitez pas à vous donner chez Mégastore. Sinon, autre chose, comme c'était marqué sur le petit papier, l'objectif de ce rallye, c'était avant tout de développer un esprit d'équipe. Je pense que plus ou moins entre vous, ça a été. Rester unis dans l'effort, c'est ce qui s'est passé, je pense, dans beaucoup d'étoiles, notamment la course à pied, le VTT, étant donné qu'il fallait arriver à deux, je pense que ça s'était très bien fait. Et s'investir pour défendre son équipe, c'est ce que vous avez tous fait, notamment ceux qui se sont décidés à sauter l'élastique. C'était un petit peu l'ambiance de ça. Vous dépasser, pour s'amuser, pour se détendre, s'évader et surtout gérer un petit peu tous les acteurs. L'équipe numéro 2, ce sont l'équipe. Oui. Les Wally de Thor, vous venez les Wally de Thor. Le Valenciennes, vous êtes non. À... Non. Les Nantes, le Nantes, vous voyez, ils ont fait tellement de déplacements. Donc c'est l'équipe de Wally de Thor, le capitaine. Donc je vais remettre cette coupe au capitaine, donc le trophée, le rallye d'aventure, ville de Condé sur le centre social de Condé, pour le vainqueur de Rally 92. Oh, c'est une belle coupe, mais c'est surtout symbolique. Voilà, félicitations à vous. Il y a tellement de jeunes, c'est méga sport maintenant à tourner sur Escaut. Donc là-dedans, il y a un couvrant et un survêtement plus le sac. Voilà, donc à chacun des participants, donc le sac de sport. Voilà, il vous est là, je vous laisse l'écran. Si jamais il y a des problèmes de cas au niveau du survêtement, vous n'hésitez pas à me contacter au centre social. Voilà, voilà. Bien, je vous remercie. Je remercie tous les participants, toutes les équipes concurrentes. Pour nous, on s'est bien éclaté, c'est que le dire. C'était génial et l'année prochaine, s'il y a une 93e édition, on sera là. 92e, en 93, on sera encore là. Merci à tous. Voilà, c'est moi surtout qui vous remercie d'être venus aussi nombreux. J'espère que vous êtes éclatés, c'était l'objectif. Salut l'année prochaine.